Dans les colonnes de Téléstar, en kiosque lundi 18 février, Ingrid Chauvin explique qu'avec son mari ils ne sont pas encore fixés quant à leur projet d'adoption. C'était le nouvel espoir de leur vie. Après la terrible mort de sa fille Jade à l'âge de 5 mois en 2014, Ingrid Chauvin et son mari avaient ouvert un dossier d'adoption. Quelques mois plus tard, ils sont devenus les heureux parents d'un petit homme et espèrent toujours lui donner une petite sœur ou un petit frère. Dans les colonnes de Téléstar, en kiosque lundi 18 février, l'actrice de Demain nous appartient nous a confié que ce projet était au point mort. Mais Ingrid Chauvin et Thierry Pétieux n'auront pas très longtemps à attendre avant d'être fixés sur l'arrivée d'un prochain bébé. En effet, leur dossier n'était valable que 5 ans et le père Marie le bien vu. Nous sommes toujours dans l'attente, regrette-t-elle dans nos colonnes. C'est la dernière ligne droite. Notre agrément termine en octobre de cette année. Après, ce sera trop tard. Nous espérons très fort. Les espoirs sont donc encore permis pour le couple, qui rêve de ce bébé depuis déjà de longues années d'attente. En mars dernier, Ingrid Chauvin avait partagé un long texte sur son compte Instagram dans lequel elle voulait rétablir la réalité sur leur projet d'adoption. L'actrice écrivait alors, « Le chemin de l'adoption reste un parcours long, parfois semé d'embûches. Le téléphone peut sonner du jour au lendemain mais il peut également rester silencieux jusqu'à la date limite de l'agrément. La vie comme toujours décidera si ce projet aboutira ou non. Notre désir est immense, notre cœur grand ouvert. » Point Eric Bouch, édité par Clara Carlesimo. Point Retrouvez l'intégralité de cette interview dans votre Téléstar en kiosque lundi 18 février.